Donc bonjour à toutes et à tous, là on se retrouve pour notre séance numéro 1, on va partir avec l'échauffement. Donc pour cette séance, il va nous falloir soit des poids si vous en avez, d'accord? Sinon on va prendre deux bouteilles, une bouteille pour s'hydrater également, donc ça fait trois bouteilles. Après on va avoir besoin d'un tapis et d'une serviette. Ok? Donc quatre exercices pour l'échauffement. Premier exercice, je vous le montre juste maintenant, marche en canard. Donc c'est un exercice qui ne paye pas de mine comme ça, mais ne vous inquiétez pas, quand vous allez remonter et tout au niveau des quadriceps, ça va bosser. Donc on commence, on est en squat complet, si on peut, on avance. Ok. On revient, si c'est compliqué, on reste juste bas dans les appuis, d'accord? On va le refaire plusieurs fois. Et après on revient. Donc dans le programme, vous aurez au niveau des distances, tout sera marqué, d'accord? Donc normalement, de mémoire, ça va être 10 mètres aller-retour. Faites moins si vous avez moins, vraiment. Faites au maximum comme vous pouvez, suivant l'espace disponible. Deuxième exercice, on va avoir besoin du coup des poids. On va partir pour l'oiseau. Donc, poids dans les mains, on envoie les fesses vers l'arrière, on incline le buste, on fléchit le buste à partir des hanches, on regarde droit devant soi, on vient ouvrir et fermer. On sent que nos omoplates se resserrent, on fléchit légèrement les coudes. On expire quand on monte et on inspire à la descente. Prenez le temps sur cet exercice. Sentez l'arrière de vos épaules, votre cage thoracique qui s'ouvre et vos omoplates qui cherchent à se toucher. Ok, très bien, on est bon là-dessus. Troisième exercice. Hop, du coup je vous montre avec des bouteilles si vous n'avez pas, avec les poids. Du coup, hop, pareil, on ouvre. Pensez bien à bien envoyer les fesses vers l'arrière. Aspirez bien le nombril pour sentir que vos abdos s'engagent et se contractent. Pour éviter d'avoir des douleurs dans le dos. Ok, on est bon là-dessus. Ensuite, troisième exercice, on va être au sol. Donc, exercice de l'ascenseur. Donc là, l'idée, ça va être d'avoir les mains le long du corps, regarder au-dessus de soi, tendre les jambes. Jambes du cou, alignées au niveau des hanches, angle à 90, mains le long du corps. Et là, on va venir descendre, 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 contrôler la descente. Et dès qu'on sent que notre dos se creuse, là on commence à remonter. Et on redescend de nouveau. Ok, impeccable. On garde ça. On inspire à la descente, on expire à la montée. Le dos ne doit pas se creuser. Engagez fort dans les abdos. Si c'est compliqué, une jambe, puis l'autre. Et si c'est encore trop compliqué, on vient juste fléchir les genoux. Prenez les options qui vous conviennent à chaque fois, d'accord? Quatrième et dernier exercice, on va partir du coup sur un gainage ventral. Donc là, on est sur pointe de pied. On a toujours notre alignement épaule, hanche, genou, cheville. On regarde 30 cm devant ses mains. On aspire le nombril, on contrôle notre respiration. Si c'est compliqué, pas de problème, on passe sur les genoux. D'accord? Coude toujours aligné au niveau des épaules. On pense bien à notre respiration et on est bon là-dessus. Donc c'est bon pour notre premier échauffement.